ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين أحباب رسول الله كيف يمكن أن نعطي لحياتنا معنى هذا الأمر أحباب الكرام سنحاول تدارسه فيما يستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى من الخطب إذا أبقى الله أعمارنا وحياتنا في طاعته إن شاء الله سبحانه وتعالى لنعرف ما الذي ينبغي أن نفهمه وأن نفقهه وأن نعمله لكي تكون لحياتنا أو لكي يكون لحياتنا معنى تكون حياتنا لها معنى Comment peut-on donner du sens à notre vie ? Inch'Allah, à travers les prêches qui vont venir, bénillah subhanahu wa ta'ala, sur Dieu subhanahu wa ta'ala pour ranger notre vie, on va essayer de bien comprendre et de savoir les conditions qui nous emmènent à donner du vrai sens à notre vie. On vit ici-bas. Mais chacun a ses objectifs, chacun a ses finalités, chacun a son mode de vie. Al-insan umuman, hinama la yakunu lahu fi al-hayati maqsad, ya'ishu yamrah wa yal'ab kama su'ila ahad al-falasifa, ma ma'na al-hayat, qala an tamraha wa tal'aba wa tastalidda bil-hayati ma baqit. Hada kullu ma ya'lamuhu min al-hayat. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون يعلمون ظاهرا الحياة غافلون Un philosophe, il a été interrogé, c'est quoi le sens de la vie ? Il a dit le sens de la vie, c'est de vivre, de se réjouir de la vie, d'en profiter pleinement tant que tu es en vie. C'est offert. C'est tout ce qu'ils connaissent dans la vie. Mais nous, Ahbab Karam, autant que musulmans, qui ont embrassé cette religion. Notre vie, il ne doit pas être un vide. Il ne doit pas être sans orientation. Il ne doit pas être sans objectif. Et l'objectif, il doit être noble. On ne doit pas avoir des objectifs futiles, des objectifs secondaires, des objectifs qui ne donnent pas un vrai sens à notre vie. Les hadiths, quand nous lisons le Coran al-Karim, nous disons Allah subhanahu wa ta'ala يثير انتباهنا دائما في آيات ويطلب منا الله سبحانه وتعالى أن نراجع أنفسنا لا يطلب منا الجواب عن أسئلة إنما هذه الأسئلة من باب أن يثير فينا يعني فضول المعرفة
يقول سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا، يعني اجمعنا نحن في هذه الآية: أيها الناس، أحسبتم أو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ Pensiez-vous qu'on vous a créé sans but, sans objectif? يعني مفهوم المخالفة. لا ينبغي أن تعتقدوا وأن تحسبوا أننا خلقناكم عبثا. Le sens opposé, il ne faut pas penser, il ne faut jamais croire qu'on vous a créé sans but. Ah ben ça veut dire qu'Allah il n'a rien à faire, il nous a créé. Celui qui ne donne pas un sens à sa vie, c'est comme s'il dit: ah ben c'est bon, Allah il m'a créé au hasard, je veux manger, je veux boire, je veux en profiter de la vie, et c'est bon. Et quand la fin arrive, c'est bon, ça y est, c'est fini. Non. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُمْ. Et vous ne seriez pas ramenés vers nous. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que vous avez seulement ce bas monde, vous allez en profiter, manger, vivre le confort, avoir les voitures, avoir les appartements, voyager, faire tout ce que vous voulez tranquillement, et après, c'est fini. Non, ce n'est pas fini, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez ramenés vers nous. Mais pourquoi? لِمَادَ سَنَرْجِعَ إِلَى اللَّهِ. Ou plutôt, بِمَادَ سَنَرْجِعَ إِلَى اللَّهِ. هُنَا الْإِشْكَالِ. Le problème, il n'est pas dans la vie en elle-même. Le problème, il est que quand Allah nous dit « Et vous ne seriez pas ramenés vers nous », ça veut dire « Et le retour, il sera vers nous ». Mais on se pose la question, alors pourquoi on va revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala? Plutôt, si on veut bien comprendre, comment on sera ramené, ou bien comment on va retourner vers Dieu, subhanahu wa ta'ala? Dans quel état? هذا الكلام حلو كلام يحتاج إلى كلام كبير ليفهم. دائما يردد الأئمة في مقدمة خطبتهم آيات، ومن بينها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران. plupart du temps les imams dans leur prêche, il commence avec ces versets: oh ceux qui ont cru à Dieu, craignez Dieu comme il doit être craint. Il ne mourrait qu'en pleine soumission. Alors, peut-être on peut se poser la question: comment je peux savoir que je dois mourir en temps en pleine soumission? Si Dieu le sait, est-ce que je peux mourir en tant que musulman ou non? Mais Dieu, il a demandé. Il sait comment tu vas mourir. Mais lui, il t'a demandé de faire attention, tu ne dois pas mourir en pleine soumission. Ça veut dire, l'état dont tu dois être au moment où la mort il va venir, tu dois être en pleine soumission. إذا ما دام الله سبحانه وتعالى يطلب منا ألا نموت إلا ونحن مسلمون، فمن منا يعرف متى سيموت؟ tant que Dieu nous demande de ne pas mourir autant que plein soumission. Nous on va comprendre autrement. Ce qui veut dire le verset que: mais moi je ne sais pas si quand je veux mourir. Raison de plus. Ça veut dire tant que je ne sais pas si quand je veux mourir, je dois être toujours dans toute ma vie en pleine soumission. Je dois être tout le temps prêt à mourir. Je dois être vigilant. Je dois choisir un mode de vie. Je dois donner à ma vie un sens de la soumission totale à Dieu. Et du coup, la mort arrive, je suis là. Je ne sais pas comment je veux mourir. Mais le fait que je m'engage dans la soumission de Dieu totalement, dans toute ma vie, dans toutes les conséquences, là, je donne le sens à ce verset.
لذلك تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في حديث أخرجه الإمام مسلم والحاكم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا حلوة خضرة يعني تثير الانتباه وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا إذا لم تنتبه تغرك كل شيء حلو المال السلطان الأولاد العمل الصحة كل شيء تسوي خضرة تدي إفرحتيو مي الله nous a donné la lieutenance. Alors le prophète nous dit dans le hadith rapporté par Muslim, son Abi Sa'id al-Khudri, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala fait certes ce moment est doux et tendre, réjouissante. Ce, hein, cette dunya. Et Allah vous a donné la lieutenance. Allah vous a créé, c'est pas au hasard, mais il vous a créé pour une mission, mustakhlifin, afin d'observer comment vous œuvrez. Alors Allah, il observe chacun de nous comment il œuvre. Mais le prophète nous met en garde, faites attention, ce moment est réjouissant. Allah يقول في سورة الحديث اعلموا اعلموا الأمر اعلموا vous devez savoir sachez اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد والعياذ اعلموا sachez que ce moment, c'est un moment d'amusement, concurrence dans la richesse, le pouvoir, orgueil, amasser ce moment. C'est ça le moment. Aujourd'hui, c'est ça. Les gens, ils sont dispersés dans leur monde, chacun a son objectif. Il y en a qui cherchent les biens, il y en a qui cherchent... Mais en gros, qu'est-ce qu'on cherche tous? On cherche tous le bonheur. Mais on se trompe le chemin. On cherche tous le bonheur. Il y en a qui cherchent le bonheur dans les biens. Il veut être le meilleur dans le village. Et il gonfle son compte parce qu'il veut être le meilleur. Parce qu'il veut atteindre toutes choses. Il y en a qui cherchent le pouvoir. Il est prêt à faire tout. Et il est prêt à éliminer 2/3 de la population pour gouverner 1/3. Son problème, son bonheur, c'est le pouvoir. Il y en a qui cherchent ses déserts, ses loisirs. Lui, il cherche que ses loisirs, c'est tout. Il y en a qui cherchent seulement à se montrer devant les gens. Vous m'observez, je suis là. Je suis présent, l'orgueil. Il est fier de lui. Et chacun. Il y en a qui cherchent la face de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ils sont différents. Ils sont tous différents. Mais celui qui cherche la face de Dieu subhanahu wa ta'ala aura plus que ceux qui cherchent le bonheur là où il n'y a pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa litashqa Taha Taha on ne connaît pas. On n'a pas révélé ce Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Le sens opposé, on a révélé ce Coran sur toi pour que tu sois heureux. Alors le Coran nous trace le chemin qui donne un sens à notre vie. Il faut découvrir à travers ce Coran ce vrai sens de notre vie. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملين على سيدنا محمد وآله أما بعد الآن أيها الأحباب الكرام سنبدأ
حالنا، نعرض حالنا على ما نؤمن به، وسنبدأ أن نكتشف معالم الحياة السعيدة التي تعطي لحياتنا معنى عن طريق بعض الأمور التي نعرفها جيدا، ولكن سنحاول فهمها بشكل آخر. Alors on va essayer, cette introduction, de commencer à partir de ce deuxième brèche, à découvrir comment on peut donner un sens à notre vie. Et on va commencer avec des choses, on peut dire, des textes basiques que vous connaissez tous. عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. هذا الحديث تعرفونه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله في هذه الرواية، وصوم رمضان، وفي رواية أخرى صوم رمضان وحج بيت الله. تقديم والتأخير لا أثر له هنا، رواه البخاري ومسلم. On va commencer avec ce hadith, on va essayer de le comprendre. Comment on peut retirer les leçons de ce hadith qui donne un sens à notre vie. Selon Abdullah ibn Omar ibn Khattab, il a dit, j'ai entendu le prophète du Saint dire que l'islam c'est une religion. Allah il nous a dit, « وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » Le prophète nous dit que l'islam est construit, est fondé sur cinq choses. Attester qu'il n'existe de Dieu que Dieu, que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est son messager, et accomplir l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, jeûner le ramadan et faire le pèlerinage à celui qui a les moyens. Et donc, parmi les versions, où il a commencé d'abord avec le pèlerinage, après le jeûne, apporté par le Bukhari Muslim. Ce hadith-là, vous le connaissez tous, certainement. Sana'aridu anfusana ala hadha al-hadith. On va essayer de savoir, est-ce que vraiment ce hadith qu'on a appris par cœur, on connaît tous les cinq pays de l'islam. Mais c'est à travers les cinq pays d'islam qu'on peut donner un sens à notre vie. Commençons avec le premier. Ash'hadu an la ilaha illallah. Hal nahnu haqqan ash'hadu an la ilaha illallah. Ça c'est la moitié de l'attestation. Cette attestation, il y a en deux. Ash'hadu an la ilaha illallah, ash'hadu an Muhammad Rasulullah. Shahadatini fi shahada wahida. Est-ce que vraiment nous, on atteste qu'il n'existe de Dieu que Dieu? On le dit. Mais est-ce que il donne un sens à notre vie? Comment cette attestation peut donner un sens à notre vie? Cette attestation comme quoi j'atteste qu'il n'existe de Dieu que Dieu. Pour moi, c'est un modèle de vie. Ma ma'na hina tashhad an la ilaha illallah. بمعنى تقر بأن ليس هناك معبود لا تعبد إلا الله، ثم هذا المعبود الوحيد تقر بأنه على كل شيء قدير، ومن قدرته أنه يراني ويسمعني وهو معي، ونحن نقرأ في القرآن الكريم إن الله سميع بصير، ونحن نقرأ في القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم. Mais on va essayer de faire son raisonnement analogique. Quand on dit j'atteste qu'il n'existe de Dieu que Dieu, ce qui veut dire j'atteste que le seul qui doit être adoré parmi les idoles qui existent, c'est le Dieu subhanahu wa ta'ala, le seul. Il y a d'autres idoles, mais ils ne méritent pas être adorés. Le seul qui mérite être adoré, c'est Dieu. C'est donc je crois. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On va voir. Ça veut dire que j'atteste que Dieu qui m'a créé, je l'adore, il est le Tout-Puissant. Aucune puissance pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il est avec moi. Là. Là où il est. Dans ces moments-là, on doit avoir conscience qu'il est là, il nous attend, il nous regarde. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. On pratique là, actuellement. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Actuellement. Il observe directement. Il peut regarder un seul regard de satisfaction, nos cœurs deviennent blancs.
Il faut regarder un regard de colère, le cœur devient noir. Là, actuellement. Mais il faut le sentir. Que il est là, il m'entend. Il est avec moi, au roi Marako. Comment je sais, je cherche pas comment. Je cherche pas à imaginer comment il est. Mais ma croyance me dit qu'il est là. Est-ce que j'ai l'estime? Est-ce que j'estime que Dieu est avec moi? C'est ça notre problème dans la vie, chère. On n'estime pas que Dieu il est avec moi au moment où on prépare un mensonge pour faire du mal à quelqu'un. On n'estime pas que Dieu nous entend, nous regarde quand on est injuste avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos voisins. On n'estime pas que Dieu nous regarde et on commet sa désobéissance devant lui. On commet l'adultère devant ses yeux. On ment et on sait qu'il nous écoute. On triche et on sait qu'il nous observe. On fait du mal et on sait qu'on va se mettre devant lui un jour. C'est pour ça que notre vie il n'a pas de sens parce qu'on n'a pas ce sentiment. On dit qu'on croit en lui, mais on le néglige. L'un de nous, il n'ose pas de mentir devant son père. Il n'ose pas de fumer devant son père. Il n'ose pas de faire les bêtises devant son père, mais il ose de faire les bêtises devant son Seigneur. Il ose de mentir devant son Seigneur. L'un de nous, il ne peut pas faire l'adultère en plein public. Mais il a fait devant les yeux de son Seigneur. On atteste, mais avec hypocrisie. On dit, Dieu, tu es là. Mais ça ne m'intéresse pas ta présence. Je fais ce que je veux. Alors, on devient comme les autres créatures qui ne seront pas jugées, qui marchent en quatre pattes, qui font ce qu'ils veulent. Il dit, Amine à ses loisirs. C'est là. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à son messager فَعْلَمْ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Et sache qu'il n'existe de divinité que celle de Dieu. Il implore le pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala à tes péchés. Parce qu'on fait énormément devant lui et on n'implore pas son pardon. Des attestations et pour changer le mode de notre vie. Parce que le moment où je pense à faire quelque chose, je dis, mais il est là. Il est là. Je ne peux pas m'échapper à son contrôle. Je sais que il est avec moi. Ça veut dire quoi, ma'a? Avec moi. Comment je peux oser de faire quelque chose? Allah, il est jaloux, il a envie, il a envie à ses serviteurs. Il a dit, Allah est jaloux quand il voit un de ses serviteurs là où il ne doit pas être. Allah est jaloux quand tu te vois, tu commets quelque chose qui t'a interdit. Il ne veut pas te voir de cela, parce qu'il ne t'a pas créé pour ça. Tu es créé pour autre chose. Et s'il t'a interdit l'adultère, il t'a autorisé le mariage. Et s'il t'a interdit de voler, il t'a autorisé de travailler. Et ainsi de suite. Alors pour donner un sens à sa vie, chers frères, chères sœurs, il faut avoir ce soutien total de son Seigneur. Et on ne peut pas avoir le soutien total de notre Seigneur si on ne le prend pas en considération dans toute notre vie. Yahfadillah, yahfadka. Yahfadillah, tajidu tijaka. Ma ma'na yahfadillah. Quand Nabi Sosam a dit à Abdullah ibn Abbas, Yahfadillah, protège Allah. Allah a besoin qu'on le protège? Non. Yahfad awamir Allah, wa nawahi Allah, wa atamir bima amarak, wa tahi amma nahak. Allah yahfadka. Protège les commandements d'Allah. Allah te protège. Allah, il n'a pas besoin qu'on le protège. Mais dans le sens où il faut comprendre, protège ce que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire, fais-le. Et ce qui t'a interdit de le faire, évite-le. Allah te protège toi. Ça veut dire toi, tu travailles pour ta protection. Et
tujahaka. Protège le commandement d'Allah, tu le trouves de tous côtés. On dit Allah kabir, wa rabbaka fakabir, vous venez de le dire. Personne ne peut empêcher Dieu subhanahu wa ta'ala à faire qui que ce soit. Dis-moi le roi, le président, le pauvre, le riche, le patron, tout ce que tu veux. Il est plus grand que tous ceux qui se pourrent la grandeur. Alors il est de mes côtés. Pour rien. Artim, ceux qui. Un exemple de ceux qui estiment la grandeur de Dieu. Moussa alayhi salam, quand il a pris les fils d'Israël pour y aller à Jérusalem, ils sont sortis la nuit en Égypte. À un certain moment, ils ont trouvé les soldats de Pharaon derrière et la mer rouge devant. Les fils d'Israël ont dit, Moïse, tu nous as trahis. On s'est enfouillé maintenant, on va où? Voilà les soldats derrière, voilà la mer devant. On fait quoi? On est foutu, on est massacré. Comment il a répondu Moïse? Il n'est pas armé, il a son bâton. Que Dieu lui a confié. Il a dit, ça, ton bâton, c'est nous qui on t'a donné quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa alayhi salam? Qala kalla inna ma'i rabbi sayhdi. Non, ce que vous dites, c'est du mensonge. Votre croyance, elle n'est pas complète. J'ai mon Seigneur avec moi. Il était avec lui, à côté de lui. Oui, mais les fils d'Israël ne le voyaient pas. Mais lui, il le voit. S'il ne le voit pas avec les yeux de sa tête, il le voit avec les yeux de son cœur. Inna ma'i rabbi sayhdi. J'ai mon Seigneur avec moi, il va me guider. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé tout de suite, directement. C'est lui qui a ordonné. Prends ton bâton là, tape la mer, et nous on va te montrer le miracle. Moïse, il a tapé la mer avec son bâton. Mais c'est Dieu qui a fait le miracle. C'est pas seulement qu'il a, séparé la mer, il a séparé la mer et il a fait un pont. Parce que si la mer est séparée, il doit être comme ça. Quand tu avances, la mer, tu avances. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a séparé et il a fait un pont à Moïse et les fils d'Israël pour traverser la mer. Ça, quand tu sais que Dieu est avec toi. Comme le prophète Sassam a dit que Abou Bakr de l'Anou. Abou Bakr avait peur dans le ghar. Taoul. Ma baluka bitnaini, Allahu talithuhuma. Qu'est-ce que tu penses de deux? Leur troisième, c'est Dieu. Nous, on a Dieu avec nous. Alors si toute la Mecque, se réunissent pour le faire, ils seront incapables. Ils n'ont pas vu. Ils sont partis jusqu'à la grotte. Ils n'ont pas vu Nabi Sosa. Pourquoi? Parce que c'est, il est là. Nous, chers frères, chères sœurs, on ne pose jamais la question. Il est là. On le néglige. اللهم إنا نسألك إيمانا تقوي به عزائمنا اللهم نسألك إيمانا نقدر به قدرك اللهم نسألك إيمانا نلقاك به وأنت عنا راض اللهم نسألك إيمانا اشفع لنا يوم القيامة عن ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهدي قلوبنا وتول أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارحم تقصيرنا اللهم قوي ضعفنا اللهم ارفع درجاتنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين وهي لنا من امرنا رشدا اللهم يا رب اجعلنا قلوبا تتعلق بك ولا تتعلق بغيرك اللهم يا رب اجعلنا يا ذا الجلال والاكرام ايمانا نصل به بيننا وبينك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر ذنوبنا واسلفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصر دينك يا رب وانصر شريعه نبيك وانصر عبادك الصالحين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه